Le berger s'assied sur votre ombre immobile, beau vallon. Seul, il contemple en rêvant l'oiseau que fuit l'oiseau, l'eau que souille les brebis et le vent qu'agite l'herbe. Je ne me pose pas la question, je ne me suis jamais posé la question pourquoi je suis berger ou pas berger, pourquoi je suis là. C'est mon corps qui me dit tu es à ta place là. Berger, on vient aux origines de l'homme, je crois. Le contact qu'il avait, le respect qu'il avait à travers tout le vivant qui l'entourait. Et on a oublié tout ça. Et pour moi, c'est un gardien de l'humanité aussi, quelque part. C'était le plus dur pour moi en tant que berger, ça a été, quand je réfléchis, ça a été la perte de mes chers. Émotionnellement, sentimentalement, parce qu'ils font partie de ma famille. Mais je me sens pas seul du tout. Je fais partie de tout ça. Et je sens la terre respirer. Je me sens plus proche de la nature que des hommes. Je crois qu'il y avait un grand chef indien qui disait la vie ne vaut pas la peine si on ne se bat pas pour sa liberté. Je crois que c'est avant tout, c'est ça, c'est la liberté.